In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Brothers, épisode 4 aujourd'hui, les amis. Nous sommes donc... Eh bien, reparti. Sur notre super jeu. Bon, ça passe. Bah, vas-y, ça passe, pas de problème. Mon gars. Voilà, au calme. Easy, oula. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il bug là? C'est quand même très relou. Oh merde! Mais tu fais chier! Ok, on va continuer comme ça. Ok, cette fois-ci ça passe. On a rechargé le chapitre. On a sauvé le mec du coup. On continue. Bug résolu. Je ne sais pas comment. Mais ça passe. Allez, on va s'asseoir un peu ici. Tant qu'à faire. Ta gueule! Putain. Asseyez-vous. Ça c'est joli par contre. C'est plutôt sympathique. Allez les garçons, on y va. Ouais, on passe par là, t'inquiète. Mettez-moi un petit point de sauvegarde, ce serait super sympa. Bon, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la tour. Et déjà d'aller jusque là-haut, on dirait. Donc let's go, hein. Est-ce qu'on va se faire emmerder par les guêpes ou... les guêpes. Les guêpes, c'est vrai que ça a bien des gueules de guêpes. MDR. Attendez. Voilà, j'ai du mal, j'ai tellement du mal. J'ai tellement du mal. Mais encore. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ces conneries de chèvres là. Non? Pas monter par là? Il n'y a rien d'autre à faire ici que...
qu'emmerder les chèvres, quoi. Ok. Peut-être juste se casser par ici, tout simplement. Non. Attends. Et là. Eh bien, pas du tout. À moins que... À moins que ce soit les chèvres qui sautent. C'est possible, ça. Ouais, c'est ça. Elles ont quand même des sales têtes, ces chèvres. Hein. Pas dire le contraire, mais... Voilà, c'est bien ça. C'est les chèvres qui sautent. C'était une manœuvre risquée et dangereuse, mais elle est passée. Ok, la suite c'est par où? C'est par là. Au calme. Les bestioles. Voilà. Salut. Hey, on a horn. Sorry. D'accord. Faut mettre ça là-haut, c'est ça? Voyons voir. Ok, alors lui, il peut y aller sans problème. Mais du coup, lui, il peut pas. Et est-ce que je peux te le lancer? Ah bah oui. Ah bah oui, bah ok, bah parfait. Un peu plus, et ça tombait de la montagne par contre, hein. Bon, évidemment, le jeu est scripté pour que ça n'arrive pas. Mais par principe... Voilà. Par principe, ça fonctionne. Voilà. Nickel, mon gars. Attends, attends, attends. Voilà. Allez. Il est rouillé ton mécanisme de merde! Ouh, tu cours pas très vite, mon ami. Ea! Da! Serais-tu épuisé? Essoufflé, peut-être? Ça! D'accord, il faut prendre sa voile. On a gagné.
Ok, ça s'arrête où? Ouais, bon, ok, tu m'as saoulé. Par là, il y a quoi? Pas du tout à quoi ça sert, mais soit, ça a le mérite d'exister. Par contre, on a une belle voile par là. Ok. Un piaf. On a d'autres trucs intéressants. Toi, essaye pour voir. Non, tu verras pas mieux. Attends, attends. Surtout pas comme ça. Comme ça, voilà. Bon bah let's go hein. C'est parti pour mourir. Ok. D'accord, faut se déplacer pour quitter la voile. Par là, par là, par là. Ils sont pas effrayés quand même, hein. Moi, à leur place, je serais pas bien. On peut pas régler par contre la hauteur. C'est vraiment le jeu qui gère pour ça. Hey, faites attention les piafs. On est par où là? Moi je dis qu'il faut arriver en face là. Face large. Bon, par contre, on a tué sa machine. On l'a tué net. C'est sympa comme lieu quand même, hein. J'aime beaucoup. Effectivement, ça peut être utile. Et ça peut donner un gameplay plutôt sympa aussi. S'il faut qu'il se balance à chaque fois, bah ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je me disais. Je pense que ça peut être cool. Enfin, je vais peut-être vite regretter ce que je viens de dire. Attends, laisse passer le grand d'abord. Tu te tiens bien, hein. Je serais pas serein à sa place, quand même.
Faut pas lâcher le mauvais, hein. Costaud quand même le petit frère hein. Parce que l'autre il doit peser son poids le grand hein. Serait-ce un sans faute? Eh bien oui les amis, oui. Voilà, au calme. Ça, ça s'escalade. De source sûre. Ça paraissait certain. Et j'imagine que maintenant il faut aller par là. Ça fait toujours flipper ça. Hein. Faut vraiment pas se tromper dans les boutons. J'ai failli me planter dans les boutons là. Ok, ça c'est fait. Très synchro. Attention, tu vas tomber. Ok. Non, 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 attends, reste comme ça, t'étais bien. Voilà, ok. Ça va. Tout va bien. Il y a quoi par là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Pas grand chose. On va donc aller par là. On va échanger si tu veux bien. C'est plus facile pour moi. Mince. Fallait pas se planter. Je sens que ce passage va être merdique. Thank you.
On sait qu'au moins il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Échange de côté. Voilà. C'est plus simple pour moi. Tu sais, tu connais. Ok. Là encore une fois, faut pas se planter. Fallait pas se planter. J'avoue, j'ai tenté, j'étais pas certain que ça fonctionne. Ah, Umba. Haïta. Umba Umba. Otto. Allons voir. Sacré porte quand même, hein. Ouais, c'est un géant en fait qui habite ici, c'est ça? Non, on ne peut rien en faire. Ok, ils apprécient le lit. Très bien, j'apprécierai le mien aussi à la fin de cet épisode, probablement. J'aime beaucoup les interactions qu'on peut avoir avec chacun des deux personnages, et du coup c'est une interaction qui est différente à chaque fois, ou presque. Ok, donc il va falloir libérer cet oiseau. Ok, c'est donc à toi de passer. Et de faire le travail. Il a quand même une sacrée détente, le gamin. Merde. Si je m'accroche pas, je peux pas le faire. On dirait un chat, l'oiseau, là. C'est normal ou pas? Voilà. Vas-y, casse-toi, l'oiseau. Ah, c'est une chouette. Enfin... C'est... Ouais, c'est pas vraiment une chouette, quoi. C'est une sorte de dragon. De dragon chouette. Ok. Bah vas-y, écoute, hein.
Ouais, c'est entre le chat, la chouette, le dragon, l'aigle. C'est pas trop quoi. Hein. C'est dommage, on n'aura pas vu l'habitant des lieux. Ben vous me direz, c'est dommage. C'est peut-être pas plus mal, non? Quoi? T'es mort? Mais t'es nul! Mais c'est nul comme bestiole! Le machin il a réussi à porter deux gamins, à s'enfuir et là il crève comme une grosse merde! C'est nul! Ton père aussi va crever mon gars! C'est quoi ce jeu là? Ah, c'est dommage, pour l'histoire c'est dommage quoi. Mais garde là la plume! T'es con quoi? Je peux la ramasser ou bien? Est-ce que je peux te dépioter? Ok, c'est bien. Mais encore. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose avec la plume. Si on peut la ramasser, c'est pas pour rien. Peut-être que si, hein, mais... Oh, un petit point de save. Qui fait plaisir. On arrive dans un canyon. Oula. Pas l'air très sympa tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais! Une bataille de géants, ils sont stylés en vrai! Ils sont grave stylés! Oh le sang et tout! C'est un peu gore comme truc, non? Vous pouviez peut-être juste escalader, non? J'adore, c'est super stylé comme... comme idée. C'est glauque, mais c'est stylé. Oh. Ah non, c'est du sang, c'est tout, hein. Faut aller où, là? Voilà. Tout simplement, mon gars, tout simplement. Donc toi tu dois passer par là, ça marche. Et toi, eh bien tu dois passer par là, j'imagine. Hey, Naï ! C'est bon, je suis pas loin là. On va casser la branche.
Voilà. Yeah. Stylé, j'adore. C'est vachement stylé comme truc, vraiment, je le répète, j'aime beaucoup. C'est quoi qui est en bas? C'est quoi cette société secrète? Je vais bien finir par avoir des problèmes moi avec ces oiseaux, non? Ah, j'adore! Ah ouais, c'est stylé, non, vraiment, vraiment, je... J'aime. Allez, contemplons un peu la vue. Eh, il y a la plume de tout à l'heure. Curieux de savoir ce qui est en train de se passer en bas. Hein. Espèce de secte là du sang. Il y a bien un qui va se réveiller, non? Casse-toi, connard. J'attends le prochain point de save. Et comme ça... Oh là 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 là, je pense que ça va être drôle, ça. Enfin, drôle, je ne sais pas, mais... J'ai l'impression qu'il y a une putain d'arbalète. Attendez, il y a un corps. On va essayer d'abord d'aller vers le corps parce que... Vers l'instrument de musique, bien sûr, je parle. Et ça fait un succès, mon gars! Oui, oui, tout à fait. Ça fait un succès. Bon, on va activer ce truc-là quand même avant de terminer l'épisode. Oh, l'arbalète! Je veux voir ça! Je veux voir ça! Et vous aussi, j'en suis sûr! Alors, vous savez quoi? On va se retrouver dans le prochain épisode pour voir un putain de headshot! Je suis quasiment certain que ça va être ça! Et ben voilà, ça fait un bon teaser pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dimanche prochain pour un sacré headshot dans la tête de ce guerrier mort. Et regardez, il a une marmotte sur l'épaule droite, à gauche là. Pas mal, Giovanni Panzani. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dimanche prochain, on se dit à très très vite. Et à ciao, bye.